Salut les gars. Salut. Kumusta, quatuor de post-punk rouennais composé de Mehdi, Alix, Louis et Clément, formé fin 2016. Premier EP sorti en 2019, intitulé Dièse 1 sur le label Kids Are Fine. On a pu vous écouter sur le label Alt DSL, sur la compile Six Sad World sortie pendant le confinement, et on vous a vu notamment en finale des Inouïs du Printemps de Bourges en janvier dernier au 106. Alors Kumusta, comment vous êtes rencontrés? Je sais plus, je suis obligé. Tu les as rencontrés. Ouais. Tu les as fait rencontrer. C'est ça. En fait, j'étais bourré en ville un soir, j'ai vu Mehdi, il avait une guitare, on a parlé du Seigneur des Anneaux, on a fait on pourrait être potes. Et entre temps, moi, j'ai fini de rentrer au lycée, j'ai rencontré Alix, qui jouait de la gratte à cette époque-là. Et de base, on est potes avant de faire de la musique ensemble, et du coup, c'est pour ça que dans le dos, c'est ici, on va en faire ensemble. Donc, ça pourrait fonctionner. Oui. Ça a rencontré. Et du coup, ces derniers mois, comment ça s'est passé la musique pour vous? Alors, avant le confinement, puis pendant le confinement, parce que mine de rien, vous avez quand même des actualités un peu ces derniers temps. Donc, racontez-nous un peu comment ça s'est passé pour vous. Bah, un peu frustrant. Comme si on n'était pas déjà assez comme ça. Mais il y avait des dates de prévues avec des groupes qu'en plus on kiffe, qu'on connaît pas perso et tout. Enfin, on était grave chaud. Vraiment, là, on est commencé bouillant et on s'est fait. C'est fait couper l'arbre sous le pied bien comme il faut. On avait des trucs qu'à découvrir. Voilà. De toute façon, on n'a pas le choix, donc on a fait avec. Et puis, au début du confinement, on était confinés tous les trois avec Mehdi et Alix. Déjà, on faisait un peu dessus, machin. Entre temps, il y a eu la compile Six Sad World. Et du coup, lui nous a rejoint pendant le confinement. On était à la campagne, et puis on est resté ensemble. On a joué, on a bossé le morceau pour la sortie Six Sad World. Et puis, jardinage. Ouais, on a fait plein de jardinage aussi, c'était cool. Vous avez nettoyé les voitures? Ouais. Ok, et du coup là, bon bah ça y est, enfin on est déconfiné, d'où la possibilité de faire cette 10e et dernière chronique ensemble, en vrai, en face à face. Racontez-nous un peu les prochains mois là, qu'est-ce qui se profile pour vous? Là on est un peu dans une période, je dirais, de transition. On a plein de projets, mais en même temps il faut qu'on se pose les bonnes questions. Faut pas aller trop vite ni trop lentement. On a envie de bien faire les choses. Donc il y a quelque chose qui va sortir, je pense, avant 2021, peut-être. Pour le moment, il n'y a pas encore. Ça c'est plus, faut voir avec le patron. Je suis un simple ouvrier. Je prends pas parti de quoi que ce soit. Bah, et puis on peut l'annoncer là, c'est officiel. Vous avez donc Go. Vous avez subvention d'un dispositif qui s'appelle Start and Go, pour ceux qui ne connaîtraient pas. En tout cas, vous avez matière à bosser les prochains mois, quoi. Ouais. Vous avez des dates un peu là qui sont... Non, rien encore. Il y a une date, on avait la date au mois de juillet qui est annulée, puis sinon après on a une date en septembre et une date en octobre. Ah, bah ouais, bah, on vous le souhaite. Et puis c'est cool, merci en tout cas les gars, je suis content d'avoir clôturé avec vous. Et puis la prochaine, et on espère à la rentrée alors. Yes, avec plaisir. Salut. Et voilà, c'était la 10e et dernière chronique des studios. Je voulais remercier tous les groupes d'avoir participé. ADM, Rouquin, Rouge Minnesota, Seasonal Affective Disorder, Caribou Bâtard, Bungalow Dépression, Julius Pellman, Dahlia, Kumusta et Winui. Ainsi que mes collègues et notamment Manu Hautemer, Manu Gouache, Laurent Collat et Nina pour leur aide pour ces chroniques. Et on se dit à bientôt. Salut.